Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je reviens une nouvelle fois aujourd'hui avec les produits terminés. Je suis désolée, je fais les vidéos à la suite puisque j'ai pas mal entassé de d'emballage en fait. Et va falloir que je les mette à la poubelle à force. Donc je tourne les vidéos à la suite. Je vais essayer de pas vous les publier tous à la suite forcément parce que je pense que ça va être chiant à force. Donc je vais voir quand est-ce que je les publierai, mais voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc là c'est la dernière vidéo des produits terminés, donc on commence tout de suite. Alors en premier j'attrape ceci, donc ce sont des peach au chocolat. C'est mon chéri qui a mangé cela parce que moi j'aime pas. Je préfère aux pépites tout simplement et à la fraise ils sont trop bons, mais au chocolat je trouve ça écœurant, donc voilà, mon chéri les aime beaucoup, il mange ça le matin aussi, donc c'est un produit qu'il aime, donc on rachètera. Ensuite une boîte de champignons de Paris premier choix émincés, donc c'est Notre Jardin de la marque Repère chez Leclerc, il y en a 390 grammes dedans, ils sont très très bons, nous on aime bien ces champignons là, donc on n'est pas du tout déçus du produit, ils sont pas très chers en plus, donc on rachètera. Pardon, excusez-moi pour le bruit. Ça fait sursauter le chat au passage. Ensuite, ceci, donc ça c'est de l'Ice Tea, la marque Lipton, saveur framboise. J'ai découvert ça quand on a été manger au Flunch avec mon chéri il n'y a pas très très longtemps. J'avais pris ça comme boisson et c'était trop 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 bon. J'avais trop kiffé et donc je me suis dit je vais regarder si ça existe en grande bouteille, enfin en grand format plutôt. Ouais, ça existait, bon c'est pas forcément donné, mais du coup je regrette pas parce que c'était trop 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 bon. Donc je rachèterai. Ensuite, on a fini un filet de pommes de terre, donc de la marque U, c'est des pommes de terre vapeur rissolées. Il y en avait 2,5 kg dedans, donc elles étaient très bonnes. On a fait de la raclette avec, la raclette et puis, je sais plus, j'ai un trou. Je crois qu'on a fait de la raclette et j'ai fait de la tartiflette aussi. Donc je les ai fait cuire en vapeur et elles sont très bonnes, hein, nickel chrome. Et en plus, elles sont pas super chères. Donc voilà, donc ce genre de pommes de terre, on rachètera parce qu'elles sont très bien. Ensuite, un sachet de gâteau apéro. Donc c'était de la marque U. C'était des tubes au goût bacon à l'huile de tournesol. Ils étaient pas mauvais malgré qu'il n'y avait pas forcément trop le goût de bacon. Donc je pense que la prochaine fois je me retrancherai sur la marque 3D tout simplement parce qu'ils ne sont pas forcément plus chers. Et en plus ils ont plus goût de bacon. Donc du coup voilà, donc je pense que je rachèterai pas ce genre de gâteau apéro parce qu'ils n'avaient pas forcément le goût indiqué sur le paquet tout simplement. Ensuite, alors ça c'est mon péché mignon. Voilà, je vous en ai déjà présenté. Donc c'est les fameux petits cœurs de la marque Lu, Choco Croc Pocket. Donc c'est des sachets individuels. Donc ça c'est super pratique. J'en mène tout le temps partout avec moi. Quand j'ai un petit creux, alors moi j'ai tout le temps faim. C'est trop trop bon, ça se mange n'importe où, je mange ça dans ma voiture, quand je fais les magasins, devant la télé, j'en mange tout le temps, j'adore ça, je m'en lasse pas, je mange ça depuis que je suis gamine et j'adore. Donc c'est un très gros coup de cœur ces gâteaux, j'espère qu'ils continueront de les faire parce que le jour où ça s'arrêtera, je serai très déçue. Donc du coup voilà, pour moi c'est un gros coup de cœur et je rachète très souvent, donc bien évidemment je rachèterai. Ensuite, on va passer à une bouteille de jus d'orange. Donc là, c'est le format 1,5 litre Joker avec pulpe. Donc voilà, je vous l'ai déjà présenté. C'est juste le format qui change, mais il est vraiment très très bon. Donc voilà, et vu qu'il fait 1,5 litre, ça dure plus longtemps. Et vu que je suis la seule à en boire, ça évite que j'en rachète tout le temps, tout le temps. Donc du coup, je rachèterai sans problème. Ensuite, on va passer à un nouveau berlingot d'assouplissant. Donc là, c'est pareil, c'est la même marque Repère, hyper doux. Et là, c'était Senteur de Provence, donc c'était à la lavande. Donc chaque berlingot fait 9 lavages, sachant qu'on en met 3 dans le bidon. Donc, faut compter, hein, je suis pas très bonne en maths. Et vraiment, ça sent super bon la lavande, moi j'adore. Donc voilà, j'aime bien changer de soupline, enfin d'assouplissant plutôt. Donc voilà, je rachèterai sans problème. Ensuite,
J'avais acheté ceci, donc c'est des graissins à l'huile d'olive vierge extra 10% nature. Donc on mange ça avec les rillettes de thon que je fais, c'est super bon. Ou avec des tortillas comme on veut, mais voilà, ils sont très bien chez Super U. J'en trouve pas à Intermarché, donc je suis obligée d'aller à Super U pour en trouver, c'est dommage. Mais bon, voilà, ils sont très bons, ils sont pas très chers, donc c'est nickel, donc je rachèterai. Ensuite, alors nous sommes des éternels enfants, hein, je continue de le dire. Ce sont des bâtonnets panés de Colin d'Alaska. Il y en a 15, donc de la marque Pêche Océan, marque repère chez Leclerc. Il y en a 450 grammes, donc ça se cuit soit au four, soit à la poêle. Nous, on les fait à la poêle. Et ça passe bien, pareil, c'est vite fait à faire. Donc on aime beaucoup ça. C'est trop mignon, en plus les petits monstres qu'il y a dessus. Donc voilà, on rachètera. Ensuite. On avait acheté 12 tranches de jambon de la marque U, le Paris sans couenne. Donc ça, c'était pour faire des roulés au jambon et au tartare. C'était super bon à l'apéro, c'est nickel. Donc on a beaucoup aimé, donc on rachètera. Ensuite, mon chéri me fait des cachotteries. Voilà. Il s'est acheté ceci parce qu'en fait, où il travaille, il y a un Action à côté et il va presque tous les midis parce que il pense jamais à prendre des desserts. Donc, du coup, il s'achète ce genre de choses. Mais du coup, en fait, il laisse ça dans son truc de gamelle. Et du coup, bah, des fois, c'est moi qui mets les gamelles à laver. Et des fois, je retrouve ça. Le paquet est fini, forcément. Donc, j'en ai même pas vu la couleur. Il pense même pas à moi. Donc, je suis pas contente. Voilà. Parce que moi aussi, j'aime bien grignoter des petits trucs comme ça. Donc, forcément, vu qu'il a tout fini, je suppose que c'était très bon. Et il en rachète presque tous les jours. Donc, voilà. Ensuite, alors, ceci, je sais pas si vous verrez bien. Hop, donc c'était un fromage pour tartiflette, marque repère de la marque Les Croisés, donc il est très bien. Il y en a 500 grammes dedans. J'ai fait une tartiflette, alors avant-hier, je crois, et il est vraiment très très bon le fromage, donc je rachèterai. Ensuite, ceci, donc c'est des pains au chocolat de la marque U, pur beurre. Il y en avait 8 dedans. C'est mon chéri qui mange ça le matin. Moi aussi, j'aime ça, mais vu qu'il mange toujours tout et qu'il m'en laisse jamais. Bah forcément, voilà, j'ai pas le temps d'en voir la couleur. Donc ils sont très très bons, donc on rachètera. Ensuite, un autre paquet de pâtes de la même marque, donc c'est la marque Turini, de la marque Repère chez Leclerc. Ce sont des spaghettis en 3 minutes. C'est un sachet de 500 grammes. Alors les spaghettis chez nous, c'est toute une histoire d'amour, parce que mon chéri, il adore les spaghettis. Il faut que j'en fasse tout le temps, à toutes les sauces. C'est une catastrophe. Donc, les spaghettis, on en consomme beaucoup. C'est comme le gruyère râpé, c'est pareil. Donc, du coup, voilà, ils sont très bons. Donc, on rachètera. Ensuite, une bouteille de jus de pomme, donc de la marque Joker. C'était format 1 litre. Il était très très bon. On n'a pas trop senti de différence par rapport au bio. Peut-être un petit peu plus sucré, je dirais, mais très léger. Hein. Faut vraiment, c'est vraiment pour tatiller. Hein. C'est pas énorme, mais il était très bon. Donc, on rachètera. Ensuite, du beurre plante à fin, tartine et cuisson sans conservateur demi-sel. Nous, on n'aime pas le beurre doux, hein, on prend que du demi-sel. Et bah, pour faire les tartines le matin, c'est nickel. Il est super bon ce beurre-là. Donc, on aime beaucoup, on en achète très souvent. Donc, on rachètera. Ensuite, une autre bouteille de coca. Parce qu'on a eu des soirées, enfin, on a fait des soirées. Et moi, vu que je bois pas d'alcool, ben, du coup, je bois du coca ou de l'ice tea, ça dépend. Et là, le coca était en promo, donc j'en avais acheté. Donc, c'est une bouteille de 1,75 L. Donc, voilà, le coca, c'est très bon. Donc, on rachètera forcément. Ensuite, un gros pot de cornichons de la marque Rustica chez Repère. C'était des cornichons. De la marque Rustica, pardon, de la marque Repère chez Leclerc, je vais y arriver. Donc c'était des cornichons extra fins, non fins, pardon. On avait pris un gros pot, c'était 680 grammes. Alors, on n'a pas aimé parce qu'en fait les cornichons étaient beaucoup trop gros. Et en fait nous on aime les cornichons petits, fins et craquants. Donc on n'est pas trop chiant hein, sur les bords. Donc du coup on n'a pas trop aimé, donc on rachètera pas. Ensuite, ceci.
Donc ça, c'était du fromage ail et fines herbes, tartine et cuisson. Donc je m'en suis servi pour faire les fameux roulés au jambon et au tartare. Donc il est très bon, il est pas cher. Donc c'était chez Super U, donc c'est nickel, je rachèterai. Ensuite, les petites briquettes comme ceci. Donc c'est de la marque Délice, marque Repêché. Le Crère, c'est de la crème semi-épaisse légère, 18% de matière grasse. Donc celle-ci est très bonne comparée à l'autre que je vous ai présentée. Il n'y a rien à redire, donc c'est parfait, on rachètera. Il y a des chats qui se battent dehors, là je sais pas ce qu'ils font, mais c'est très bizarre. Ensuite, on avait été sur le marché avec mon chéri. Et il y avait un petit stand avec des petites sucreries comme ça à pas cher. Et donc c'était des Lion Snack Size Peanuts. Donc ça devait être au cacahuète, je pense. Moi j'en ai pas mangé. Je crois que Mimou il a aimé ça. Donc voilà. Si on retourne sur le marché et qu'il y en a, je pense qu'on rachètera. Ensuite. Encore une fois de plus, nous sommes des éternels enfants. On aime bien retourner en enfance, nous, ça nous plaît. On voudrait retourner à l'époque quand on avait 3-4 ans, quand on allait à l'école maternelle, parce que c'est vrai que la vie d'adulte, c'est chiant. Quand on est gamin, on ne se rend pas forcément compte de la vie des adultes, mais c'est pas cool de grandir, c'est pas chouette. Donc, mon chéri adore ça, voilà. Donc, c'est la marque Lu, c'est des Lulu la barquette au chocolat. Il s'en fait péter le bide, il adore ça. On en rachète tout le temps. Forcément, vu qu'il adore ça, ben, on rachètera, bien évidemment. Ensuite, ceci. Donc, ce sont des lingettes anti-transfert de la marque textile, marque Repère chez Leclerc. C'était le maxi format, il y avait 40 lingettes. C'est protège des accidents de décoloration. Donc, ça, je mets ça à chaque lavage avec mes fringues. Parce que même si je trie quand même mon linge, j'ai déjà eu des accidents de décoloration. Donc, faites attention, mettez plusieurs lingettes si vous avez peur que ça déteigne. Parce que c'est pas cool quand ça décolore. Voilà, j'en mets une ou deux à chaque lavage parce qu'on sait jamais, des fois il y a des vêtements neufs ou quoi, ou toujours des choses qui déteignent. Donc c'est très utile, c'est très pratique et la marque Repère fait très bien son boulot, donc on rachètera. Et enfin, pour finir, on ne déroge pas à la règle. Encore des cordons bleus, donc ceux-là c'est Mimou qui les a consommés, moi j'en ai pas mangé. C'était le croque extra fromage gratiné et fondant de la marque Le Gaulois. Il m'a dit qu'ils étaient très bons, donc voilà, moi je peux pas vous dire parce que je n'en ai pas mangé. Mais il a beaucoup aimé, donc on rachètera. Excusez-moi pour le bruit de la machine à laver. Donc voilà, mon sac est de nouveau entièrement vide. Voilà, c'était la dernière vidéo de cette catégorie des produits terminés. J'espère que ces vidéos vous auront plu. Si elles vous ont plu, n'hésitez pas à les liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la petite cloche pour les notifications. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Bye bye !